Aujourd'hui, on va suivre l'avancée de mes blobs et on va les nourrir. On retrouve premièrement le Charlie, donc la souche américaine. C'est très stylé de voir son développement comme ça. Comme ça aussi, c'est vrai qu'on voit super bien le réseau veineux tout simplement. Ensuite, on a le Koro, donc le blob japonais. On voit qu'il est beaucoup plus rapide que le Charlie, à savoir qu'ils sont réveillés en même temps. Enfin non, même le Charlie s'est réveillé avant. Donc on se rend compte vraiment de la différence entre les blobs. Et là aussi, ce qui est très stylé, c'est de voir chaque flocon d'avoine qui a été relié avec son réseau veineux principal, si on peut appeler ça comme ça. Puis là, il est en train de faire le tour de la boîte pour chercher s'il n'y a pas de la bouffe. Le Caro aussi, on m'avait prévenu qu'il est ultra rapide. Et je confirme, c'est-à-dire que c'est celui qui s'est réveillé en dernier parmi les trois. Et il est tout petit, il n'a même pas eu le temps de en grandir. Vous voyez, il est même pas resté sur les flocons d'avoine, qu'il a déjà fait limite le tour de la boîte.